ça va toujours bien. Chargé, toujours chargé. Oh, mais vous savez un petit peu, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez apporté de beau? Vous verrez, vous allez découvrir. Oh, des œufs, ben dis-toi. Nos poules ont pondu, hein? Comment? Nos poules ont pondu. Ah oui, certainement, oui. Vous savez, il y en a des petits, mais on va les entier. Les Jurassiens, pas seulement les Paulinois, lorsqu'ils ont un vœu à formuler, ben ils apportent des vœux, des œufs aux Clarisses, n'est-ce pas? C'est aussi une marque de leur insertion dans la vie sociale, à Poligny, je pense. À l'occasion du marché qui est vendredi à Poligny, ben on descend les deux bidons de lait aux Clarisses, en sachant aussi que c'est une participation à cet ordre qui est un ordre mendiant. Donc les sœurs, elles vivent de ce que les gens en donnent, donc c'est notre participation. C'est Sainte-Colette qui disait « Quand vous manquerez, vous sonnerez la cloche pour que les gens savent ». Elle vous l'a peut-être dit, Gérald Benoît. Non. Pour que les gens savent que vous manquez. On n'a jamais eu besoin de sonner la cloche. Nous, ça nous fait plaisir, mais on a autant de joie à donner qu'à recevoir. On dit ça, mais c'est vrai aussi. Du hein. Oui. Du monastère. Ah, tout à fait, c'est ce que je dis, oui. Oui. Beaucoup. Et on vient au monastère, et quand on repart, eh bien, il y a quelque chose qui fait qu'on est mieux quand on s'en va que quand on arrive, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai que dans un monde où on juge les gens et la société sur l'efficacité, la rentabilité matérielle, elles apportent un certain contraste. Et il me semble, moi, qu'elles posent question. À Dieu plaise Poligny. Telle est la devise de la petite ville fortifiée du Jura qui séduisit Sainte-Colette, la rénovatrice de l'ordre des Clarisses. En 1415, à la demande de Marguerite de Bavière, Jean sans peur donna à Sainte-Colette son arsenal pour y bâtir un monastère. Elle-même y séjourna une dizaine d'années. Ses ossements furent ramenés à Poligny en 1783. Chez les Clarisses comme chez les Carmélites, l'oraison marque le début de la journée monastique. À la belle saison, les sœurs de Poligny se dispersent à l'aube dans les superbes jardins en terrasse pour y pratiquer leurs prières silencieuses quotidiennes. Puis vient le temps de la Lectio Divina, une lecture approfondie de la Bible. Notre corps est constitué de plusieurs domaines, de plusieurs espaces, et tout ce qui constitue notre être humain doit être nourri, approfondi. Enfin, au fur et à mesure de mon expérience, hein, qui continue parce que qui ne sera jamais finie, mais je m'aperçois que tout ce qui nous est donné pour entrer dans cette expérience spirituelle, bon, au cœur du monde, parce que nous restons humaine, profondément humaine, de plus en plus humaine d'ailleurs, à mesure que nous entrons de plus en plus dans cette expérience spirituelle, le Seigneur veut nous emmener vers la liberté des enfants de Dieu. Sœur Elisabeth Madeleine est malgache. Elle est en France depuis 4 ans. Sa venue illustre bien le mouvement actuel qui voit beaucoup de moines des pays du Sud venir suppléer leurs frères et sœurs occidentaux. Ceux-ci souffrent du vieillissement général de leur population et d'un manque cruel de vocations nouvelles. Toutes les vocations de Madagascar actuellement, ça vient de familles pauvres, très pauvres. Et donc le monastère ou les communautés participent beaucoup à la formation pour les jeunes qui rentrent. Depuis 10 ans, presque toute la maison de formation sont pleines, presque tout. Et c'est dans toute Madagascar, surtout sur le haut plateau. Et presque toutes les maisons sont pleines. Alors qu'ici? Je pense que le défi est différent, très très différent.
Je ne sais pas ce qu'il joue, mais pour moi, je pense qu'ici, c'est trop matérialisé. Donc, il y a trop de choses et qu'on est plus attiré dans le matériel. Et peut-être c'est mon jugement qui est faux, mais quand on est trop dans le matériel, on oublie peut-être l'essentiel. Ces gens qui aujourd'hui vivent ces drames, et spécialement les enfants, parce que j'en sais quelque chose. Moi, j'aurais pu aussi me venger. J'aurais pu me venger de ma famille et tout, qui m'ont un peu abandonnée, mais j'ai choisi justement la vengeance de l'amour, comme c'est dit dans les Ésaïe. Dieu qui dit « je me vengerai, mais dans l'amour ». Et il s'est vengé en me donnant son fils. Ces gens qui sont pédophiles en ce moment, on en parle beaucoup. C'est terrible. C'est terrible. Quand on a dit que la mère de Jacques Boutrou, c'est ça son nom ? Oui. L'avait renié devant les télévisions, justement. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ben, moi, il sera mon fils dans la prière. Et vraiment, je prie pour cet homme tous les jours. Tous les jours. Je canalise pas ce qu'il a fait, hein, mais... Malgré ce qu'il a fait, il reste un homme. Et il faut rejoindre l'homme. C'est pareil, s'il l'a fait, c'est qu'il est blessé quelque part. Les 17 sœurs de Sainte-Claire de Poligny mangent en silence, comme dans la plupart des monastères. Mais parfois, au lieu de la lecture traditionnelle, elles écoutent en déjeunant le journal de RCF, la radio catholique. Un espoir de paix. Un espoir de paix au Proche-Orient, le sommet d'Aqaba hier a vu des engagements du côté israélien comme du côté palestinien. Reste à faire accepter ses promesses par les deux peuples. Un pape globe-trotter, c'est aujourd'hui son 100e voyage. Jean-Paul II s'envolera tout à l'heure pour la Croatie où il va rester 5 jours. Un voyage hautement symbolique et très attendu dans le pays. En France, la surpopulation carcérale a encore atteint des sommets. Le nombre record de détenus dans les prisons alarme les syndicats de surveillants, mais aussi les associations d'aide aux détenus. La lutte contre la pauvreté, grande cause nationale. Voilà ce pourquoi milite la FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Soulager la douleur physique lors des hospitalisations, mais aussi les douleurs psychologiques et sociales. Ouverture aujourd'hui à Nice du congrès sur les soins palliatifs. Comment ça s'est passé en fait? Vous avez comment vous avez connu ce monastère? Vous avez déjà vu Belgique? Moi. J'étais à 25 ans, je suis ici. Vous étiez chez les Clarisses en Belgique? Oui. Le monastère s'est fermé parce que pas de recrutement quoi. Il était trop, il n'y avait plus de jeunes, vous ne pouvez pas continuer quoi. Et vous êtes bien plus ici? Vous très avez... bien. Ouais. Je me posais de questions.
Mais certains moments, on se dit, mais enfin, est-ce que je suis vraiment à ma place? C'est ça, le doute. Et je crois que je suis vraiment à ma place, finalement. Il serait temps d'y penser, à 82 ans. Non, mais c'est sûr, surtout au moment de la crise des 40 ans, là, 45, c'est sûr qu'à ce moment-là, on se pose des questions. C'est normal. Oui, je ne suis pas entrée très bonheur, parce que j'avais 28 ans quand je suis entrée. Hein. Mais c'est certain que le plus gros sacrifice, pour moi tout au moins, c'était de me dire jamais je ne serai maman. Ça, c'est très dur. Surtout quand on a forcément plus ou moins des enfants dans la famille, des neveux, des petits-neveux, des petites-nièces, qui sont évidemment des trésors, quoi. Alors on se dit jamais, jamais, nous, on sera comme ça, mais il n'y a pas à dire si c'est Jésus qui prime. Marie l'Immaculée, bien moi, je comprends. Je suis tellement devenue petite, j'étais petite, mais je suis tellement petite maintenant que je ne peux plus y arriver. D'accord, bien sûr. Il y a encore le dernier. Le dernier, ça n'y a pas. J'ai vécu en Afrique jusqu'à ce que je passe mon bac. Et j'ai vraiment été confrontée à la misère extrême, en particulier à la mort des enfants. J'ai un père qui travaille pour la communauté européenne. Et donc, parfois, il aidait des projets soutenus par des religieux. Et il nous disait, bah oui, j'ai vu un frère franciscain pleurer dans mon bureau. Un enfant déshydraté est mort dans ses bras. Je me suis dit, eh bien, ou je passe ma vie à poser des bombes dans le monde pour dire que le monde est vraiment pourri, tellement pourri qu'un enfant peut mourir déshydraté dans les bras d'un frère franciscain, ou je rentrerai dans un monastère pour que ma vie appartienne à tous. Parce qu'elle attend d'ailleurs. En tout cas, j'ai pensé que les fraises, elles sont vraiment le bienvenu, parce que c'est la période où on n'a pas beaucoup de fruits. Ça poussait toute seule. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais décidé de répondre à cet appel et d'entrer au monastère, papa m'a dit « si tu rentres au monastère, tu ne me reverras plus ». Parce que vie monastique, ça voulait dire « elle ne reviendra plus à la maison ». On ne partagera plus ce qu'on a partagé ensemble. Pour les moments importants à vivre en famille, on ne sera pas ensemble. Donc tout ça, c'était dur pour eux. Et la réaction de papa, c'était cette réaction sur cette souffrance qu'ils sentaient là. Et puis une certaine peur aussi de se dire, est-ce que ça ne va pas être trop dur pour elle? Est-ce qu'elle n'a pas mis la barre trop? Est-ce que vraiment Dieu l'appelle là? Est-ce qu'elle ne s'est pas montée la tête? Est-ce qu'elle n'avait pas un idéal d'absolu qui a fait que, allez, je m'embarque dans une vie complètement impossible vue de l'extérieur, pour contenter un peu mon ego, relevant le défi? Et puis la peur de se dire aussi, est-ce qu'elle sera vraiment heureuse? Vie sexuelle, c'est un grand mot. J'avais eu mes expériences et ma vie affective. C'est très proche du deuil de la maternité. Effectivement, mon corps, il est fait pour les relations sexuelles. Et j'ai aussi un renoncement à vivre. Alors il y a des moments, ça se passe très bien et c'est très facile à vivre. Et puis il y a des moments... C'est plus rude, où je sens vraiment le manque. La frustration. Je pense qu'il y a des frustrations à assumer, alors paisiblement ou pas paisiblement, suivant les moments, mais à assumer. J'ai choisi.
Les Clarisses ont une heure de récréation en début d'après-midi. C'est un moment de détente et de défoulement particulièrement essentiel pour les plus jeunes d'entre elles. Attention, Marie-Hélène, ne l'écrase pas. Ne l'écrase pas ma tête, elle est précieuse. Ne t'es pas placée, là. Tu vois, ils sont là au fond. Mets-toi à côté des autres. Oh, regarde, j'ai gagné un truc. Le but, c'est de ne pas mettre le truc. Le but, c'est de ne pas mettre dans le salon. On est de la même chose que la tête. Tu le lances plus comme ça. Ah, ça dit aussi. Oui, ça dit. Moi aussi. Oui, oui, c'est pas tout. Cette année marquant le 700e anniversaire de la naissance de Sainte-Claire, les sœurs accueillent chaque mercredi du mois de juin 250 enfants du diocèse. Ces rencontres illustrent bien leur excellente insertion dans la vie locale. Sœur Marie-Hollande, qui est philippine, que vous avez vue aussi, je pense, hein, qui est asiatique, elle a fait 22 heures d'avion pour venir ici. On est vraiment différentes, et pourtant on est sœurs. Vous avez vu que Jésus, ton centre, est plus grand par rapport à tout l'ensemble. Ça veut dire que Jésus est ressuscité, il vit en nous et il est grand. Vous voyez son regard? Vous avez compris quelque chose? Ça va jusque là? Pour entrer dans le silence et pour te prier, pour m'ouvrir à ta présence, en moi douce, je me tourne vers toi, le cœur bien chaud.
Je ne sais pas ce que tu leur as fait, mais... Mais moi, c'est, disons que ça ne vient pas du tout de moi. C'est pas du tout, non, vraiment. Ça doit venir de... Oui, c'est vraiment l'expérience qu'ils font eux-mêmes. Ah, ça, c'est génial. Il suffit de les introduire un peu, mais c'est tout. Il y a des catéchistes qui m'ont dit, mais si vous aviez vu le visage d'enfants qui étaient complètement pris par leur silence, par la présence de Dieu en eux. Et même maintenant, avec tout le cheminement que j'ai eu, je me suis aperçue que... L'appel de Jésus est venu se greffer sur une blessure d'enfant. Et oui, c'est, pour moi, c'est merveilleux de prendre conscience de cela. Et à partir de ce moment, il ne m'a jamais lâchée. Et c'est parce qu'il était là, m'accompagnant dans la vie avec tous les moments douloureux que j'ai pu traverser, parce que j'ai eu une vie très douloureuse. Et il était là. Et bon, je vivais un peu cette amitié secrète, hein, et je pense que déjà la prière était, naissait petit à petit de cette amitié que je vivais à l'intérieur de moi. En 1415, Sainte Colette récupère des entrepôts d'armes à Poligny et les transforme en monastère dédié à Sainte Claire. Sainte Colette a eu l'intuition qu'il y avait une source dans le monastère. Donc elle est venue ici, elle a fait appeler des ouvriers et elle leur a demandé de creuser pour trouver la source qui se trouvait là. Et les gens qui connaissaient bien le coin lui ont dit « mais c'est même pas la peine qu'on commence à lever la pioche parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de source ici ». Et alors sur l'insistance de Colette, ils se sont quand même mis à creuser et on a découvert, à très peu de profondeur d'ailleurs, trois sources qui se rejoignent juste là. Et le puits a donc été construit et les sœurs n'ont plus été obligées de sortir du monastère pour aller chercher l'eau. Alors non seulement il y avait la grille, mais lorsque les sœurs s'approchaient de la grille, elle baissait le voile jusqu'en bas du visage pour qu'on ne voit jamais le visage. Les médecins venaient, les dentistes venaient chez nous et tout le monde se dérangeait chez nous. C'est une autre mentalité, voilà. C'était encore un peu la mentalité du Moyen-Âge. Après le Concile, la communauté a fait le choix de descendre à la chapelle avec les gens qui venaient prier avec nous. Les pauvres dames, comme les nomma elle-même Sainte Claire, sont filles de Saint François d'Assise. Chaque monastère est régi par une abbesse élue pour 3 ans et rééligible. On compte aujourd'hui en France 750 clarisses dans environ 45 monastères. Depuis 1415, les clarisses de Poligny ne durent quitter qu'une seule fois leur abbaye, au moment de la Révolution. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles ne furent pas inquiétées. Une sœur raconte qu'une fois en passant le long d'un mur qui longe la rue, elle avait entendu dire à un Allemand parler en français à une personne française, lui dire « de toute façon, ici, on n'y viendra pas, c'est des folles ». Donc elles ont été tranquilles. Jusqu'en 1945 ou 1946, je ne sais pas exactement, les sœurs de la communauté étaient enterrées ici. Et puis une fois que le cimetière a été plein, eh bien on s'est déplacé en ville. Les sœurs de Poligny sont toujours restées fidèles à leur vocation d'ordre mendiant. Quand Vatican II demande aux moines de gagner leur pain, elles se lancent dans plusieurs ateliers tels que la fabrication d'hosties ou la confection d'ornements. Mais cela ne représente jamais qu'une petite partie de leurs revenus, l'essentiel étant toujours constitué de dons ou des retraites des anciennes. Un jour, il y avait un ancien qui marchait sur le bord de la mer, c'était en plein désert, donc il n'y avait pas d'eau potable. Il marchait sur le bord de la mer avec un de ses disciples, un jeune disciple. Et ce disciple, au bout de plusieurs heures, arrête son ancien et lui dit « Ah bah, j'ai soif ». L'ancien fait le signe de croix sur la mer et puis lui dit « Bois, c'est potable ». Et le jeune boit et puis l'ancien continue de marcher. Et puis le disciple, avec sa mélotte, vous savez, c'est leur manteau, il est en train de vouloir faire une outre pour garder de l'eau potable. Parce que... Et l'ancien se retourne et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»
Et le disciple lui dit, mais Abba, on a encore plusieurs heures de marche. Et l'ancien lui répond, Dieu est ici, Dieu est ailleurs. En tout cas, c'est bien dommage que tous nos toits ne soient pas refaits, parce que c'est sûr que... Mais ça fait un contraste. On le voit pas d'ici, en fait. Un petit peu. Si. Là, ici, je vois un petit peu. Et puis tu as l'autre là, moi, je vois le qui n'est pas refait. Ça, c'est l'infirmerie là. Oui. Et puis un peu de... On voit bien les étendues des vignes. Ça commence à être sec, tu vois. Il y en a des...